Bonjour à tous et à tous. Donc aujourd'hui, je vous présente dans cette vidéo comment je réalise une pagaie en lamellé collé avec des matériaux de récupération. Donc voilà, j'ai découpé toutes mes pièces, les deux côtés. Ça, c'est du douglas. Et là, on est sur du sapin du Nord. Donc c'est sûrement un sapin pectiné. J'ai griffé les champs avec du gros papier vert, là, pour faire colle à l'air. Et maintenant, je vais passer à l'encollage. Donc j'utilise une colle waterproof. Donc là, c'est que des trucs de récup, hein, encore. Je me suis fait une petite spatule pour étaler la colle avec une chute. Bien en mettre partout. Et après, on va mettre au pressage. Bien s'appliquer pour le collage. On va laisser sécher. Pardon. On va laisser sécher ça. Et on travaillera après la forme à la plane, etc. Un peu plus traditionnel que la scie circulaire, mais là, j'avais pas le temps de sortir la scie à main. J'étais un peu limité dans le temps. Donc, on va connecter ça. Alors, mise en place du premier serre-joint. Vous allez voir. Alors là, je serre, mais pas trop. Et le deuxième serre-joint, quand vous mettez deux serre-joints, il faut toujours les inverser. C'est-à-dire, d'un côté ici, j'ai la vis, de l'autre côté, j'ai la vis. Ça équilibre les forces et ça évite à vos pièces de pivoter. Alors voilà, j'ai refait un travail à la plane pour vraiment travailler le plat. Là. Alors je ne sais pas si sur une vraie rame le plat il doit partir d'ici ou d'ici. En tout cas, moi j'ai fait partir de là. Voilà. Donc j'ai bien travaillé pour essayer que ça soit le plus plat possible. On voit, elle était bombée là et maintenant elle est un peu plus plate. Et maintenant je vais travailler avec une râpe fauteuil, on appelle ça à cause de sa forme. On va relire le manche. Comme vous avez vu, pas besoin d'établi ou quoi pour travailler à la plane. Et surtout, travailler à cause du soleil. Il y a un nœud ici. Et ça, à la plane, j'ai laissé de la surépaisseur pour éviter de l'arracher. Donc maintenant, le seul moyen pour le réduire, c'est le plus simple, c'est à la râpe.
Donc voilà, pour les finitions, j'utilise aussi un racloir. Donc c'est une épaisseur de métal sur laquelle on a rabattu la tranche. Ici, on a un petit bourrelet. Et on s'en sert comme ça en grattant. Voilà, ça nous enlève des fins copeaux. Je ne sais pas si vous voyez à côté de mon pouce. Voilà. Donc c'est très efficace. Ça évite le fonçage. À tout à l'heure. Alors voilà, j'ai totalement poncé ma pagaie, ponçage, raclage, reponçage, reponçage, reponçage. Donc on peut voir l'épaisseur. Voilà. Et donc je vous montre un peu la pagaie, à quoi elle ressemble. Voilà. Et là, sur cette partie-là, là, je vais faire une décoration. Donc je me suis inspiré de dessins traditionnels. Aïdas, donc c'est côte nord-ouest. Des États-Unis, Colombie-Britannique, voilà. Donc je vais reproduire ce dessin à l'aide d'un crayon et ensuite utiliser donc des Posca, des stylos comme ça, voilà, qui sont des stylos peinture. Donc c'est comme des feutres, mais c'est de la peinture qui est déposée, ça résiste au vernis, voilà. Et après je recouvrirai de couches de vernis marin. Voilà, la pagaie est finie, j'ai passé une première couche de vernis, j'en passerai plusieurs. Je cirerai le manche et voilà ce qu'on peut faire avec des poudres de récupération, une pagaie en lamellé collé. Petite décoration d'inspiration Aïdas, côte nord de la Colombie-Britannique, nord-ouest. Je vous dis à bientôt et si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne Olivier04, Vannerie Sauvage et Bushcraft.